Bien joué, bien joué. Bonjour la VOD, deuxième partie du jeu Merding Fight du dimanche, incroyable, qui sera un peu plus long puisqu'on fait que 5 rounds dans tout. On va passer en Diverse World. Couture. Moi je suis prête pour le World. Diverse World qui se termine par 4 R et ce sera à Étoile de faire le décompte une fois que tout le monde sera prêt. Oui, mais on est prêt. On est prêt. Moi je suis un perso. Je suis prêt également. Prêt aussi. Totalement prêt. Et 3, 2, 1, go. 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 Ah voilà. Alors. Indonésie. Anduk. Attends. Anduk, je pense. Anduk, c'est une ville ou pas? Priendalampriya. Pour l'instant, je le vois pas. Je vais me sur Java vite fait. Bon, ok. Jalan ou... J'ai le nom de la rue. Jalan, ça veut dire rue. Ouais, ok. Jalan Ayam Wuruk. C'est le nom de la rue. Made in Indonesia, ok. Donc on est bien en Indonésie. Je pense qu'on est à Anduk en Indonésie, je pense. Quoique ça, je suis pas sûr, hein. Mais... Pariwisata. Ifatros. Pourquoi ça passe en Ematonly d'un coup? Y'a eu du spoil? Toko Buku Siswa. Putain, y'a beaucoup d'infos et je sais pas lesquelles sont bonnes. Pekalongan. Ah mais c'est une pub. Pekalongan, c'est ici. Admettons. Admettons que nous soyons à Pekalongan. Le nom de ma rue, c'est quoi? Ayam Wuruk. Ouh. 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 Ayam Wuruk. Incroyable. Retour au point de départ. Je suis dans la bonne rue. Je suis dans la bonne rue. Est-ce que les magasins sont tous indiqués ou pas? J'ai des gros doutes là-dessus. Hein. Rire de droite. Plaza Faune. Pour un seul instant. Comment on fait ma route là? Elle est un peu inclinée vers le nord. Donc c'est pas cette partie-là. C'est cette partie-là. Plaza Faune au sud. Franchement, je suis dans cette rire partie-là. De droite. Ouais. My phone. Asia phone. Ouais, mais les trucs de phone, il y en a partout. Hein. 0 mètre. Ouais, attends, je vais le faire aussi. Moi. Enfin, peut-être pas le 0 mètre, mais je vais le tenter. Moi, j'ai un écran noir. Saphira Mom Kids. Je vois pas. À quel endroit je croise une rue, en fait, aussi. Ça, c'est intéressant. Ah, ah, ah. C'est quoi, ça? Pourquoi il y a ça, ici? Oui, pour ça. Putain, j'aimerais trop... Ah, attendez. Il y a ça, ici. C'est ça. Mais attends, du coup, c'est où, cette petite route à l'arrière, là? Elle est où, cette petite route à l'arrière? Elle est là? Oui, elle est là. Je suis entre les deux, en fait. Je suis à peu près entre les deux. À peu près là où j'ai mis mon point. 7 mètres. C'est bon. Le 0 mètre de Justin, par contre, pas mal, hein. Pas dégueu. Merci Yao93 pour les 14 mois de sub. Tsunokei pour les 100 bits. Le départ est toute noire. Le roi kebab pour les 8 mois. Pierrick Biff pour le sub. Nebiot les 2 mois. Skydash le prime. Merci beaucoup.
Il y a hémisphère, c'est hémisphère sud. Ouais, hémisphère sud. Ce qui compte, c'est le 5000, hein, dans tous les cas. Mais juste les points où vous en mettez, c'est possible. Bah, le but, c'est d'être le plus précis possible, mais ce qui compte, c'est de faire le 5000 points. 1 km 1. Ah, c'est trop dur. 181 km. 1 km 4. De toute façon, quand tu zoomes sur la ville, t'as instantanément envie de crever, en fait, donc... voilà. Oui, c'est ce qui s'est passé. 1 km. Aïe, aïe, aïe. Combien, Ultia hein. 1035 km. Je t'ai mis où? Bah, dans le bon pays, mais pas dans la bonne île, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est grand. Bah, oui, hein. 516 mais kilomètres. Mais je ne le trouvais pas. Je savais pas que c'était ça aussi, putain. En fait, pour la petite anecdote, il y a une ville qui s'appelle, du coup, Pekalongan Bun. Et moi, je me suis mis dessus. Ah, merde. Aïe. Le prank. Ah, prank. J'ai oublié un morceau de pays, en c'est fait. C'est trop RFX pour les 10 mois de sable. Ce n'est pas de la bêtise, Ultia. Voyons. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais du coup, ça casse les couilles sur le spawn, j'avais juste un écran noir quoi. Ah merde. Juste, moi j'ai une question, il y a une ville qui s'appelait Batang, elle est connue ou pas? Je l'ai vue nulle part. T'es sûr que c'est une ville? Batang? Il y a un petit truc qui s'appelle Batang, mais en fait. Batang à droite. Batang, c'est un truc qu'on voit souvent. Ah oui, oui, il y a Batang effectivement, il est là. À droite, dans la banlieue de Pekalongan. Un tout petit bled, ok. Viking pour le prime. Enfin, on voit souvent ça et je pense que c'est pas un mot de la vie courante. Aussi, ouais. Dire sortie ou je sais pas. Ouais, c'est un mot très commun dans cette langue-là en tout cas, je le vois souvent, Batang. J'avoue que quand on est en Indonésie, je ne sais pas sur quelle île chercher. Ah, mais pareil. Après, le truc, c'est quand j'ai vu Pekalongan, c'est quand même une ville qui se voit d'assez loin, donc ça va, j'ai pas trop eu de mal sur celui-là. Mais en fait, oui. Moi, je sais pas pourquoi j'ai focus. Moi, j'ai vu Semarang, surtout. Ah, Semarang. Semarang. C'est Backminster. Oui, l'Indonésie, c'est difficile. Ouais. Même j'ai complètement oublié cette île. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prêt. Oui. 3, 2, 1, go. Ok. Domo? Non, pas Domo. Ligne jaune, ça roule à droite. C'est Taïwan, je pense. Attends, quoi que... Ça roule à droite ou ça roule pas à droite? Rire de droite. Non, ça roule à droite. Mec, ça roule à droite. Donc c'est Taïwan. Taïwan. Mais ouais, mais on est où dans Taïwan, là, mes amis? Mes aïeux. Tunnel, petit tunnel en face. Sur la 106. Ah, mais bon, pas une nationale. 106. Tunnel, on vient du sud-est. Ouais, c'est un petit tunnel, hein. Petit tunnel. Ouais, la 106. Mais après, le problème, c'est voilà. T'en as dans chacune des municipalités. Je sais pas si c'est des municipalités dans les régions. Ah. Attends, non, reviens en arrière. Non, c'est une rue. Gumping Road. C'est encore des rues qui sont indiquées. Ça fait quand même un peu le cœur du pays, quand même. Hein. Encore rue. On est à côté d'une rivière. Allez, avance. Ouais, bon, si j'ai pas plus d'infos que ça, ça va pas le faire par contre. Ah, non mais ça va être incompréhensible. Oui, bien sûr. Vu la gueule du truc, c'est peut-être dans cette zone-là. Puis il y a plein de montagnes autour et tout. Je vois une 106. Mais non, j'en vois pas. Ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer, tout simplement, les amis. Et encore la 106, ouais. 106, ouais. C'est ma seule info, hein.
problème, c'est que des 106 comme ça, il y en a plusieurs dans le pays. Et du coup, savoir laquelle c'est, ça qui est très compliqué. Je me rends pas du tout compte de, dans quel endroit je peux me trouver du pays, si je suis au nord, au sud. J'ai pas l'impression d'être au bord de l'eau. Après, il suffit juste qu'une montagne cache le reste et c'est bon. Je suis Bézax. Je me rends pas compte, hein. Surtout que j'ai pas d'autres infos que j'arrive à comprendre. À part qu'on est sur la 106. 9 mètres. Ouf, putain, j'ai idée. Waouh! Quoi? Mais comment il a fait ça? J'ai pas dû partir dans le bon sens. J'ai pas dû partir dans le bon sens. Hein. Attends, je suis sûr qu'il y en a partout dans ce pays. Bah, en fait. J'ai peut-être de la merde. J'ai peut-être de la merde. Je crois que j'ai dit de la merde, en fait. Il y en a qu'une seule, une 106. Et plus tu remontes... Ah non, on est au nord du pays. 105. Ah, j'ai dit de la merde. 106. Non, non, c'est pas. Retour au point de départ. Oh là là. Ouais, par contre... J'ai dit de la merde. Ça dit quoi, ça? Jingtong Old Street. Ouais, Jingtong Old Street et Chulanjan Trail. Ouais, non, je vais pas la voir. Putain, j'aurais dû me dire qu'il y en avait qu'une seule, une 106, en fait, je trouve. Jinan Road. Je vais pas l'avoir celui-là. Je vais pas être précis. Je serais pas si loin que ça, mais. Jingtong Old Street. Ah. 36 km. 4,4 km. 23 km. Aïe 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 aïe, 205 aïe, km. Aïe, aïe. 812 mètres. Putain, mais bien, j'idée là. C'était. Pas du tout. Merci. 1323. Alors, vous êtes mis où, Ultia et Ponce? Bah, moi, je savais que c'était pas du japonais. Je me posais beaucoup de questions parce que je me suis dit c'est pas la Chine, etc. Je comprends pas. Et du Oula. Coup, comme. Et du coup, comme je savais pas, bah, je me suis mise au Japon en mode parfois sur les panneaux, c'est écrit avec des signes chinois, donc je comprends rien et le tout. Et il est là. Et j'ai pas trouvé. Mais je savais que c'était pas du japonais, tout le long je me suis posé la question. Donc, En fait, un bon moyen de savoir, c'est au Japon ils roulent à gauche, à Taïwan ils roulent à droite. Ah Ah ouais Voilà. Et Bastion Yon Pork, pour les 33 mois de sub. Charpier pour les 150 bis, Gofranc Chanté pour les 32 mois de sub. Et comment vous avez fait pour être précis? Parce que c'était en kikino. On était sur la 106. Il faut vachement zoomer pour la trouver la route en fait. C'est plutôt bien classé en fait. C'est par ordre alphabétique. Pas alphabétique, par ordre numérique. J'ai un petit souci de tableur, je vais vous demander une petite pause, je suis désolé. Et pas de souci, vas-y. Profite pour aller pisser un bol. Pisse donc. Également. Pisser un bol? Oui, bien sûr, pisser un bol. Pisser un boc aussi, mais ça c'est plus breton, il me semble. Mais qui dit ça? Mais pourquoi pisser un bol? Non, mais je n'en doute pas. Et pourquoi pisser un bol? Parce qu'il va pisser le contenant d'un bol, quoi, c'est pas compliqué à comprendre. Et puis c'est une jarre, quoi. Ouais, enfin voilà. Mais c'est très... Enfin, ça donne quand même beaucoup de détails personnels, je veux dire. C'est quand même... Ouais, ils font ce tu fais pipi un petit bol, quoi. Ouais, un petit bol. Un petit bol, quoi, ouais. Bolinette, quoi. Non, j'avais jamais entendu cette expression, vraiment. En tout cas, moi, je me suis mis en Corée, donc autant vous dire que j'étais très, très chaud sur le rendez. Ah, yes. En Corée, yes. C'est... L'écriture, c'est... Il y a plein de petits ronds. Moi, je suis perdu. Déjà, j'ai cherché au Japon. Puis après, j'ai compris que ça sonnait pas du tout japonais, ce que je trouvais. Mais du coup, je me suis cassé. Et je me suis mis à chercher entre partie Est de la Chine et la Corée. Et sauf que la Chine, je me doute qu'elle est pas si Street View que ça. Je sais plus. Quasi pas du tout. Hein, quasi pas du tout. Ouais, quasi pas du tout. Hein, pas c'est du tout ça. Hein. Alors si, il y a Macao et tout ça qui est... Oui, alors Macao et Hong Kong, effectivement. Et une ville de mort qui appartient à la Chine en dessous. Une île, de mort qui est, sur laquelle je suis tombée une fois et qui appartient à la Chine et qui est Street View. Et je suis mort, c'est pas la... Je sais pas si c'est pas une petite ville vers Xiamen ou un truc comme ça. Si tu... Attends, je vais reprendre le truc, je guesseur. C'est Hainan.
Mais du coup, on trouve pas du tout ce qui a marqué là. On était à Jingtun, machin truc. Je on vois était pas. À Guangming. Guangming, moi j'avais, mais sur j'ai pas la Guangming. Map, je vois pas. Je comprends pas. En fait, j'ai galéré, mais vraiment comme vous, Ultia et System de Win pour les derniers moments, je suis tombé sur Taipei. Et bon, bah forcément, ça m'a donné l'intigation. Mais c'est ah putain, Taipei, ouais, ça aide, ouais. Ouais, ouais. Mais je savais pas du tout que Taïwan était distribué. Ah si, ça l'est complètement. Complètement. Ok, d'accord. Vous okay, voyez okay. En dessous de Xiamen, la ville en Chine, Xiamen, là. Oui, oui. En dessous, il y a une île. Xiamen County elle est située. Ouais, je suis tombée sur le guesseur dessus. Je crois que cette île appartient à Taïwan. Et bien, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que ça appartient à Taïwan, ce truc-là? Je crois que ça appartient à Taïwan. Je crois que ça appartient à Taïwan. Attendez, en attendant que JD règle son problème, nous allons nous cultiver. J'ai trouvé Guangming Road et du coup je me suis dit ouais c'est proche de Guangming, voilà ça n'existe pas Guangming hein, c'est rien du tout. Voilà c'est énorme, du coup je cherchais Guangming en Corée quoi, autant vous dire que moi c'était zéro. T'inquiète. Ouais, Étoile. Étoile, c'est ça va, c'est une île de Taïwan, tout à fait hein, c'est une île de Taïwan, je vous confirme. Étoile, on t'entend pas. Alors, trop, tout va bien Étoile? Kinmen County à côté de Xiamen. Ah il est full mute à côté de Xiamen. Alors là, mais c'est vraiment, je trouve même pas. Alors, tu dézoomes, en Chine, Xiamen, c'est l'une des plus grandes villes au-dessus de Hong Kong. D'accord. Ah et oui, une... okay. Et quand tu zoomes, t'as une toute petite ville qui est vraiment... Une toute petite île, pardon, qui est quasiment collée à la Chine, mais qui appartient à Taïwan, apparemment. D'accord, ok. Tout va bien, Étoile? Étoile, tout va bien? On t'entend pas okay. trop? Intéressant. Okay. L'ambiance est délétère. En bah alors, Étoile, qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, rien, t'inquiète, t'inquiète. Okay. On attend que Ponce revienne et tout le monde sera là. Non, il y a JD qui a un petit souci encore peut-être avec son ah oui. Je me fais ouais, un peu je me fais grave, déwarded hardcore j'ai là. Dit ça hors stream. T'as dit quoi, Étoile? Je me fais déwarded hardcore là. Aïe aïe aïe. Casse les couilles. Casse les couilles. Mais t'inquiète. Bon, on attend que Ponce revienne et on sera parti quoi. Je sais pas trop ce qu'il fout là, mais. C'est l'action replay que. Puis c'est un bol là. Pisser un ramequin, c'est pas mal comme expression. Ah, un ramequin. Je vais pisser un ramequin. Alors, faut savoir que du coup, moi j'ai cherché partout pour revenir sur le round là. J'ai cherché partout Guangming parce que j'avais la Guangming Road. Oui, oui. Faut savoir qu'en fait, c'est un district en Chine. Genre, j'aurais vraiment pu trouver un truc quoi. Ah, oui, d'accord, ok. Ah, oui, d'accord. Ah, c'est énorme. Je me régale. Très bien, les amis. Tout le monde est là, tout le monde est prêt. On peut passer à la suite. Allez, tout à fait. Il y a le tableau de JD toujours. Bah, oui, apparemment, c'est bon, m'a dit JD. Ah bon? Non, c'est pas bon, mais écoutez, c'est juste un problème à cet endroit. En fait, si vous voulez, là, c'est que regardez, en gros. Pour le premier round, ça fait genre on a gagné, vous voyez dans le tableau en haut à droite, dans le petit tableau en haut à droite, il y a marqué juste 0-0-2-0-0-1, oui. 0-3-0-0, oui, oui. Et ça oui. C'est pas normal. Mais après ça redevient normal là, quand je pour le deuxième round, ça redevient normal. Bon, je sais bah, pas. C'est bon alors. Oui, 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 ça devrait être bon. Je pense que ça changera rien, enfin je pense c'est que les scores trichent, sont hein, bien calculés, mais c'est juste le petit panneau tu d'affichage penses. Qui a un souci. Bah okay. J'espère en vrai, sinon ça fausse un peu tout le truc et ça me ferait chier, mais... Ah, c'est pour ça. Ouais, et voilà. Bon, allez, tout le monde est prêt. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez! Chance à tous. Ouh, la Belgique. La Belgique. Mais où sommes-nous en Belgique, les amis? Déjà, quelle langue? Pitié. Ok. Mais. Ok, bon, j'ai la langue. Ok. Ouh là là, c'est joli. Paramo ? Bizarre comme nom. Tip Top Télécom ! Bien sûr. Allez, please. Est-ce que je pourrais avoir le nom du... de la ville quelque part, peut-être ? Imo Mesdag, c'est le nom de la ville ou c'est le nom du... Ouais, non. Mesdag, c'est peut-être juste le nom de l'agence immobilière. Oh là là, attends. Diestkoning. C'est un nom de bled ça? Je sais pas ce que ça veut dire. Me dites pas hein. Je comprends pas cette langue bien sûr.
Oh là là. Je sais pas si tu le notes. Dis Cunning. En fait, de tomber dans le bled, là, c'est compliqué pour moi. Très très compliqué. Ah, je peux pas aller par là. Super. Bon, je vais aller par ici. Au secours. Hein. Il faudrait une intersection avec des bleds. Ça m'aiderait beaucoup. Pff. L'enfer. Ouais. Diest, mais si, on est à Diest. Diest, ça doit être le nom de la ville, ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Au secours, hein. Ça a pas l'air si petit que ça, en plus, là où je suis. Oh là là, au secours. Non, franchement... Bah, je pense qu'on est à Diest. Mais je sais pas... Je peux pas aller par là, vraiment. Genre, je peux pas aller par là, je suis obligé de revenir... Mais... Ah, merci. Horrible. Je hais. Désolé les Belges, hein, bien sûr. Pitié. Quelque chose que je comprends. Mais je peux pas aller par là, c'est un cul. Ah non, c'est bon. L'enfer. Ah, attends. C'est un nom de ville. Je vais noter Diest quand même. Zichem. Der Richtingen. Onze mètres. Ah ouais, non, ça va pas être possible celui-là pour moi. Pareil. Ça va pas être possible hein, celui-là. Horrible. Insupportable même, je dirais. Zichem. Aucune idée de ce que c'est, hein. Je l'avais pas vu, ça. Non. 46 km. 16 km. 157 mètres. Je l'ai jamais vu d'IS. Pourtant, on la voit bien, j'ai l'impression. Ouais, j'ai jamais 1 km 2, putain, au dernier moment. Putain, comment la vache. Vous avez trouvé oh, mais c'est la 5000 ouais, oh, là, c'est 5000. J'ai galéré. Comment voilà, vous avez trouvé la ville? C'était écrit Diest, c'était écrit... Ah, c'était Diest, mais c'est une ville, Diest, j'avais pas vu que c'était marqué partout, mais en fait, ah, c'est marqué. Pas si loin du spawn, il y avait un rond-point de ouf qui indiquait toutes les villes aux alentours. C'est ça, moi, c'est grâce à ça que j'ai trouvé. Alors, on me dit que j'ai souvent passé le curseur dessus sans jamais le voir, terrible. Bon, classique. Et ce qui est terrible c'est dans ce pays, c'est dès l'instant qu'ils indiquent 4 villes, bah en fait, ils indiquent toutes les villes du pays, quoi. Du coup, ça m'a absolument pas aidé. Mais c'était où Tessen, machin, et tout, là. Aucune Tessen idée. Tessen, Derlo. Oh. Putain, mais regardez-moi le patelin qui était indiqué sur le panneau, hein. On dirait que c'est une grande ville et tout. Aucune idée. Pour moi, c'était l'enfer. Hein. Je hais. Mais vraiment, je hais tomber là. Hein. Vraiment, je complètement. Ah, d'accord. Isolday, que n'est pas la ville, c'est un quartier, d'accord. Putain. Okay. Moi, c'était... j'ai compris que c'était Diest, la ville, mais je l'ai... Mais moi aussi, Je l'ai pas trouvé. J'ai noté le nom d'un garage et je cherchais le nom d'un garage en pensant que c'était le nom d'une ville. Voilà. Oh non. Aïe. De toute façon, quand on voit le nom de leur église, tout est dit quoi, tu vois. C'était quoi le nom de l'église? C'est Saint-Sulpiciuskerk. C'est nul. Enfin, ah oui. C'est juste nul. On va pas appeler ça Saint-Jean comme par contre. Ça veut dire Saint-Sulpice quoi. Saint-Sulpice tout simplement. Saint-Sulpice quoi. Ouais, mais dur à dire. Ça se dit dist. Ça veut dire rien du tout. Ouais. Oui, je suis prêt. 3, 2, 1, go. Ouh. Allez. Ah, ça, j'aime ça par contre.
Ça, ça me plaît beaucoup. C'est maintenant. Cambodge. Le Cambodge. Le Cambodge. Cambodian People Party, bien sûr. T'es celui, toi ? Chan Trey. Alors, est-ce que c'est une ville ? Ok. Chantrey. Vu le nombre de mots qu'il a écrit, je peux comprendre, j'en profite. Hein, parce que là, il va y avoir rien que je vais comprendre. Donc, je lui dis, c'est peut-être le nom d'une ville. Non, je le vois pas. Ok, continuons un peu. Watch, c'est assez terrible. Modern People's Party, bien sûr. Il est là. Modern People's Party. Modern People's Party. À chaque clic, le son Cambodian People's Party. Hein. Modern People's Party. La bière encore. Le pays a deux sponsors, hein, la bière Angkor et le Cambodian People Party. Ouais, ce n'est pas lisible. Sinon, je reviens au point de départ et je pars dans l'autre sens, hein, parce que là, je me retrouve dans la jungle. Ça va être compliqué. Hein. Ouais, je vais faire ça. Partir au sud. Ouais, ça va être pareil. La même marde. Attends. Non. Un bon nord-sud. Ah, ah, ah. Ah non, Cambodian People Party, bien sûr, évidemment. À chaque fois, je crois que... Mais en fait, c'est Cambodian People Party à chaque fois, hein, bien sûr. La fête des gens du Cambodge. La fête du peuple cambodgien. Mon seul truc, c'est vraiment Chantrey, hein. Chantrey Health Center. Là, je vais pas comprendre ce qu'il y a écrit. Si, Cambodian People Party, bien sûr. Cambodian People Party. Pas facile de l'avoir, celui-là. Alors peut-être. Attends. Nut Chan. Ouais, mais attends. Oh 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 oh. Toi. Svey Rieng. Province. Svey Rieng, allez où Svey Rieng? Non. Svey Rieng province. Elle est où? Je la trouve pas. Siem Reap. Svey Rieng. Monsieur Ling. Je regarde toutes et je trouve pas celle-là. Mais au secours, elle est où cette province de mort? Là, Svey Rieng. Svey Chkrum District. District. Svey Chkrum. Le Health Center, il est où? Comment fait ma route? Ah, ça fait nord-sud. Rien de tout ça, hein. Par là. Allez, vas-y. 18 km. Oh bah, pff,
154. Oh merde, hein. J'ai pas vu le timing. 106 km. Pif total. 162. Alors je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Ça fait combien, Étoile ? Alors j'ai fait 212 km, mais c'est exceptionnel. En fait, j'avais strictement aucune info, moi, je pense comme beaucoup de gens. Et en fait, j'ai vu une ville qui s'appelait Sakor. Ah. Dommage. À le roi bisou, j'ai décidé de me mettre là, peu importe les infos que j'avais. Ah, bien sûr. Très bien. Et merci. Antoine, t'es parti vers le sud et t'as croisé la route 1 ? Non, en fait, j'ai fait deux directions. Je suis parti vers le nord au début, puis vers le sud. Et en fait, j'ai vu qu'on était dans la province de Sveiriang et dans le district de Sveichrum. Du coup, je me suis placé dans une route nord-sud à côté de Sveichrum. Le district de quoi, Antoine ? Le district de Sveiriang. Juste. Putain, d'accord. T'as vu ça où ? Sur un panneau de route ou sur... Non, sur un magasin. Voilà. D'accord. Ah, c'était dur quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment dur. Il n'y a eu à part People Free, People Cambodian. J'ai vu que les gens ils font la fête là-bas. Hein. C'est la fiesta. Arrêtez d'être toaster pour les 10 mois. J'ai fait un gros gamble. GMX pour le Prime. Bryce Willis pour les 13 mois. J'ai juste vu un hôpital qui s'appelait Changtrai Hospital. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu aussi. Non. Et je me suis dit qu'on était à Changtrai. Ouais, tu l'as vu. Hein. Ah oui, moi aussi, le truc du VIH là. J'ai vu le Changtrai aussi. Oui, si. Non, moi aussi. Pas le truc du VIH, Florence, c'est un peu plus loin. Ah, j'ai pas vu. Peut-être un peu plus loin, ouais. Ça, je l'ai vu, mais c'était juste le long de la clinique. Non, sur le truc du VIH, j'avais ça. Oui, my bad. Oui, c'est ça. Mais c'était juste le long de la clinique, effectivement. Bah ouais, du coup, je me suis dit ça. Sauf que si tu regardes légèrement plus à l'est, il y a un truc qui s'appelle Changtrai, mais pas pareil, tu vois. Genre, c'est pas Changtrai. Et je me suis mis là et ça m'a quand même mis 55 km. Je pense que c'est un énorme coup de chance. Ouais. Mais voilà, ça a été juste ma seule info pendant tout le. Bon, bah go acheter le cambodgien pour les nuls. Try-hard le cambodgien. Compliqué. Ouais, on est parti là-dessus. Hein. Est-ce que tout le monde est prêt, messieurs, dames ? Oui. C'est une région du monde où il y a plein de langues différentes, de plein de familles différentes. Hein. On va toutes les apprendre, t'inquiète, on va try-hard. On connaît tout par cœur, bien sûr. Eh bien, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour le dernier round monde. Super, tu voles mon travail. Oh pardon ! C'était à Étoile de le faire, je suis désolé Étoile. Oh pardon. Le live est annulé. Oh, merde. Bon, c'est l'Islande ou l'Écosse ? Nord de l'Écosse peut-être ça. Les îles écossaises. 100 km. Ouais. Oui, c'est l'Écosse. On est bien au nord, hein, possiblement sur ces îles-là. La mer est au sud, ouais, complètement. Est-ce que j'ai des noms de rues ou des choses comme ça ? But I have a Norwich Sands. Ouais, mais Norwich Sands. Je vais par ici. West Sandwick. Norwich Sands, moi je veux. Ouais, mais c'est pas un vrai nom de bled. Ah oui. Harold Swick, la A968. Est-ce qu'il y a des A quelque chose là-bas ? Oui, 970 ici. Attends. Baltasound, Harold Swick et Burafis. Regarde déjà un peu par là. Ipswich, Tangwick. Sandwick. J'ai l'impression que ce soit par ici. Ah, Baltasound, si. Ici, Baltasound est ici. La A968, elle est là. Et je viens de la 9087. Harold Swick, ici. Et du coup, je pense que je suis sur Beach Road. Je pense. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Hein. Ouais, ça a l'air d'être ça. Beach Road, retour au point de départ. J'ai une route à mon sud. Possiblement ça. Oh, vas-y. Le beau jeu ? Le beau jeu, les amis ? Le beau jeu. 1 mètre. Le beau jeu. Merci Eimdalemx pour le Prime. Merci beaucoup. On était très au nord du Royaume-Uni. Quasiment à l'extrême nord même. On était vraiment à 2-3 km du nord du pays. Elles ont un nom particulier, c'est les îles, oui, mais je ne m'en souviens plus. J'ai
plus comment elles s'appellent ces îles-là. Bah c'est pas les îles Shetland. C'est les îles Shetland ça je crois. Non, les îles Féroé sont au-dessus, et c'est pas britannique. C'est les Shetland, c'est ça, c'est les îles Shetland, exactement. Les Hébrides. Boum, boum, boum. Il doit faire bien froid. Oui, je pense, je crois que les îles Shetland, c'est un endroit où il y a le plus de vent au monde. C'est dans les îles Féroé, oui, tout à fait. Les îles Féroé, c'est danois. Comme le Groenland. Les îles Féroé, c'est magnifique aussi. On peut tomber dessus sur GeoGuessr, c'est pas mal street viewé. Rire de droite. Je suis mute ici, je suis mute. Merci Apelorio. Apelorio Rico pour le sub. DX Gamer pour le Prime, merci beaucoup. Deux mètres. Merci Cropolite pour le Prime. Merci beaucoup. Du coup, il a fait plus de points que moi ou pas, je crois. Quoique. Attends. 24 709. 24 735. Je le buzz. Je crois que c'est monté qui est chaud là. Merci Jigsax pour les 100 bits. Et c'est un train de la hype. Merci à toutes et à tous. Merci Viken pour le sub. Merci beaucoup. Et merci pour le train de la hype. Ah oui, ton mobilité française, non, c'est pas Street View, si tu dis pas de bêtises. T'as le record de petite taille de distance, Antoine? Non, le record c'est 0 mètre, tu peux faire vraiment 0 mètre. Merci vieux cafard pour le Prime, merci beaucoup. La Corée Street View et Corée du Sud, oui, complètement. Mais même si mon TF5 il me dépasse pas, effectivement. Rire de droite. Merci Mighty Pod pour le Prime, The Sanchez pour le sub, merci beaucoup. Ok, bah, pff, envie de crever, voilà. La plus grande frontière partagée par la France, bah, ah c'est ouais. Le Brésil avec la Guyane, non ? 3 mètres oh. Ah, bien, Florence oh. Très bien vu. Mais on est où, là ? C'est quoi, ce truc ? Les îles Shetland. Ah, mais quoi, ah, ouais, mais là, c'est okay. là, par contre, c'est abusé. Comme mon chien. Comment vous avez su qu'on était aux îles Shetland ? Ça y ressemblait. Ouais, paysage, ouais. Ouais, paysage. Franchement, j'ai même pas cherché c'est là. C'est pour le Prime, en fait. Moi, je suis tombé sur... J'ai trouvé plein de numéros très similaires, en fait, là où j'étais en Écosse, quoi. Je suis tombée sur un panneau qui disait l'église la plus au nord de l'Angleterre. Enfin, L'Angleterre du Royaume-Uni. Ouh là là, Florence. Pardon, l'Angleterre. Oh là, quand même, oh, les c'était chevaux chaud. Étaient la clé, les chevaux c'est étaient des chevaux. Bah oui, c'est des petits poneys Shetland. Oui. Ils étaient trop mignons, mais on, moi, on aurait juste dit ils étaient morts, mais ils étaient... quand même. C'est très très honnête. Intersection entre deux routes et un panneau et un panneau. Mais il y avait aucun numéro de route qui est noté. Ah si bien sûr. Putain, ici d'accord, mais je. Il y avait la B9086. Extrêmement similaire à ceux où je me suis mis. Hein. Mais attendez, ils se suivaient presque en fait. Ah oui, mais qui était allongé. Mais non, il est pas mort. En fait, c'est le drapeau qui m'a. Ouais, drapeau écossais, ouais, drapeau écossais, bien sûr. Non, mais c'est pas le drapeau écossais. Ah bon? Le drapeau chelou là. Ah oui, c'est une croix, le drapeau écossais. En fait, c'est pas le drapeau écossais, mais en gros les couleurs, c'est exactement la même couleur que le drapeau écossais. Et du coup, je me suis dit, il y a Anguille sous roche. Ah, mais c'est le drapeau de Shetland en fait. Ouais, bah ouais. C'est le drapeau de Shetland. Je pense qu'ils ont pris exactement la même couleur que le drapeau écossais. Faudrait vérifier. Ouais, ils l'ont juste mis. Ouais, c'est la même couleur, c'est juste qu'ils l'ont mis dans l'autre sens. Ça traverse pas en diagonale, mais tout droit. Ouais, c'est un enfer là par contre. On s'est vraiment fait. Parce que du coup, les drapeaux. Ça me tue. Mais il y avait quand même ce panneau de l'église plus au nord du Royaume-Uni. De l'Angleterre. Oui, bon, ça va, Antoine. Ah, mais tu dis ça là-bas, tu te fais exécuter, en fait. Hein. C'est bien sympa. Je dirais, j'ai un chien Shetland. C'est ça. Bah, bravo à toutes et à tous. À l'issue de ce classement, je repasse premier. Deuxième, c'est Jussetin. Pardon, c'est Jussetin. Troisième, Monté. Quatrième, JD. Cinquième, Florence. Sixième, c'est Guz. Septième, Ultia. Huitième, Étoile. Neuvième, Ponce. C'est toujours dans un mouchoir de poche. Hein. Étoile et Ultia qui ont un point d'écart, alors que Ponce et Étoile ont trois points d'écart seulement. Et Ultia n'a que trois points d'écart avec Gus. Donc vraiment, là, c'est ce suit. Je le croise, mais je lui tape ça le check. Hein. Ah oui, entre 9 et 6, pour c'est les un mouchoir, effectivement. Ce qui ira pour les 10 mois de septembre 2, merci beaucoup. Et nous allons passer à la map mystère. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais expliquer un peu ce que c'est.
Trop bien. Oh, oui. Map Mystère. La première Map Mystère. Voilà, Map Mystère. En fait, ce sont des maps qui sont préparées par Julien Pagnac. En tout cas, celle-ci est préparée par Julien Pagnac, que l'on salue, bien sûr. C'est une map avec un thème qui est mystère. On ne sait pas ce qu'est le thème. Et en fait, le but, évidemment, est de faire le plus de points possible, comme d'habitude, mais également de trouver le thème de cette map. Par exemple, il avait déjà fait le premier thème mystère qu'on avait eu. Il y avait eu la Belgique, il y avait eu Angoulême. J'ai pas compris. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Il a pas fini d'expliquer. J'ai pas fini Ultia en fait. Je finis Ultia du coup. Est-ce qu'on peut pas commencer maintenant? J'ai pas compris. Par exemple, la première map mystère, on avait eu la Belgique, on avait eu Angoulême. Sur les points. On avait eu Cap Canaveral, c'est-à-dire le lancement des fusées aux États-Unis. On avait eu Sydney. Et bref, tout ça, ça donnait des indices vers Tintin, en fait. Tintin, ouais. Tintin, parce que c'était belge. Angoulême, c'est la bande dessinée. Sydney, c'est vol 747, je sais plus quoi le numéro pour Sydney. Cap Canaveral, c'est on a marché sur la Lune. Et tout pointait vers Tintin. Est-ce que tu comprends, Ultia, ou pas? C'est dur, hein. J'aurais pas trouvé, oui, d'accord. Aussi, un autre indice, une fois, il avait fait un autre thème mystère. On est tombé dans la ville de Bucheon, en Corée du Sud, à Liège, en Belgique, devant des bouchons lyonnais, à Lyon. Et du coup, le thème, c'était bouchon, en fait. C'était bouchon, le thème. Et pour vous dire, le dernier thème, des fois, il fait des trucs un peu tricky. C'était sur la même ligne que l'Équateur. Ah oui. Ouais, c'était tout sur la ligne de l'Équateur. Toutes les villes étaient alignées sur la ligne de l'Équateur. Donc des fois c'est de la culture, mais des fois c'est aussi un peu de regarder, quoi. Alors juste attendez, je vous explique juste. Une fois que vous avez trouvé, que vous pensez connaître le thème, vous l'écrivez dans le général sous la balise spoiler. Vous écrivez le truc, clic droit sur votre texte spoiler, comme ça les autres ne le voient pas. Attends, on peut écrire. Clic droit spoiler, parce que ça, je sais pas comment on fait. Hein. T'écris un truc, tu sélectionnes ton texte, clic ouais. droit sur Discord. Slash spoiler et t'écris le reste derrière. Si ah, slash spoiler, oui, sinon slash spoiler et t'écris ton texte. Ok, d'accord, ok. Voilà. Okay. Sachez que le premier à trouver correctement peut remplacer un de ses scores par un 5000. C'est le seul bonus à trouver la map mystère. C'est un bol. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Ultia? Mais sinon, c'est classico-classique, quoi. Sinon, c'est classique. Sinon, faut toujours... le but, c'est toujours de faire le plus de points possible à chaque round. Ok. Et il y a un malus, normalement. Non, il n'y a pas de malus. Ok. Non, il n'y a pas de malus. Et on gère pas son timer, c'est 5 minutes par round. 5 minutes. Comme d'hab, on va tout rester ensemble. C'est juste qu'en fait, si vous voulez... Et là, c'est là qu'il y avait eu une petite question pratique avec Monté la dernière fois. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous l'écrivez en spoiler dans le général, et si plusieurs personnes ont la bonne réponse, c'est le premier qui l'a trouvé à l'avoir écrit qui le fera. Donc là, on va faire exactement comme d'habitude, on fait chaque round, on continue à s'attendre et à dire 3 mètres, 2 mètres, machin, par contre c'est le premier qui aura posté la bonne réponse qui le fait, et donc ce sera par contre interdit de supprimer sa réponse pour en remettre une plus tard, ou de modifier son message, évidemment. Oui, bien sûr, voilà. D'accord, donc on peut plus supprimer pour se remettre en bas de la liste. On n'a jamais pu monter, c'est juste toi qui a cheaté. On n'a jamais pu cheater, c'est juste parce que pour moi c'était clair, du coup tu perdais tellement en priorité que de toute façon les chances étaient très faibles, quoi. On se retrouve pas en vocal après chaque round, hein, c'est si, ça si. On peut comme d'hab. Là, je pense que ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème à faire quoi? Bah que on dit juste qu'on attend à chaque round, quoi. C'est plus sympa, je sais évidemment pas. Je vous conseille de tout se passer en emote only, sinon évidemment ça va spoil le thème. Allez go, moi c'est speedrun, j'en ai rien à foutre des points, je veux juste trouver le thème. Et ça sera à Gus de faire le décompte. Attends, calme. Bah c'est lien mystère dans map comme d'habitude. Est-ce que je peux me recharger juste en eau avant de faire tout ça? Oui, vas-y. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Florence? Le meilleur décompte du monde. Il est où le lien, je trouve pas. Ouais, je vais dans map, mais Florence, strictement tous les autres. Vraiment avec les autres. Ah pardon, je croyais que c'était dans la map mystère. Non. D'accord, très bien. Alors je vais pisser aussi. On vous attend. Bon bah je vais repisser alors. Putain, mais je vais pisser un ramequin. Putain mais j'ai pas prévu assez d'urine pour faire autant de pauses pipi moi. C'est pas possible. Je vais jouer à Smash. En attendant. Non, je vais jouer à Rocket League. C'est parti.
Eh bah le gars. T'imagines. Les maps mystères, c'est trop bien. Une fois qu'on aura fini, j'aimerais bien faire un tout petit peu de Battle Royale. Je sais pas si ça te dirait, étoile ou pas. Ouais, si tu veux. Bah moi, je vais live longtemps encore après. J'aimerais bien faire un petit peu. Voilà. Rugueuse. Vas-y, c'est Bakes pour le prime. Si t'es dispo à un moment, moi je ferai du Mario Kart pour mercredi. Vu que j'ai le nouveau PC, j'ai pas encore réinstallé tous mes trucs pour capter, je le ferai demain pour bien tout installer. Du coup, je serai pas prêt pour trainer Mario Kart ce soir. Ça pourrait être cool si on fait un petit training à 4. Ça serait pas mal, effectivement. C'est pas mal. Alors, les maps, c'est plusieurs maps, hein, c'est ça? Plusieurs liens. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est qu'une seule, c'est mystère. C'est exactement pareil. Ah oui, non, c'est juste. Ah oui. En fait, ça change strictement rien. C'est juste qu'au lieu d'être une map Europe, c'est une map mystère. Quoi. Non, c'est juste que Paniac a fait plusieurs timers différents en fonction des malus. Ok, je viens de comprendre. Ouais, mais on met pas de malus là. Non, mais il faut juste que t'ailles dans le salon maps normal en fait. Ah oui, non, oui, d'accord. Ah oui, j'étais en map mystère. Ok. Ah oui, Re. Est-ce que tu as trouvé le lien, Ultia? Oui. Ok, c'est bon. C'est juste en dans fait, map. En fait, je cherchais dans map mystère, il y avait marqué partout ne pas cliquer, du coup j'étais en mode... Non, c'est dans maps tout simplement, ouais, le salon maps. Don't panic, Ultia, tout va bien se passer. Don't panic, it's totally ok. Est-ce que tout le monde est de retour? Oui, Ultra oui. De retour. Oui. Justin, tu es là? Oui. Ok, très bien. Eh bien, ce sera, si tout le monde est sur le lien qui se termine par Kappa... Kappa, tout à fait. Ah oui, voilà. Qui se termine par Kappa... ça sera à Gus de faire le décompte et on s'attend à chaque round, bien sûr, évidemment. Ok. Ouais, comme right. Ça permet de rééquilibrer un peu, justement, et de pas... Ça nous permet le temps de réflexion, bien sûr. Voilà, c'est tout ça. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut... Voilà. Ok, très bien. Madame, je me souviens c'est... plus. C'est le premier qui a le thème ou tous... Pardon, excuse-moi, Gus. Je suis sûr que c'était le meilleur décompte. Si deux personnes ont la bonne réponse, c'est le premier. D'accord. Et on rappelle que celui qui gagne, je veux dire qui a la bonne réponse en premier, peut remplacer un de ses scores par un de 5000. C'est tout. Voilà. Pas non plus un avantage énorme, mais voilà. Oui, ça serait un peu unfair. Concentrez-vous surtout sur le fait de faire des bons points. Voilà, tout simplement. Ok. Ok. Très bien. Là, messieurs, 3, 2, 1, c'est parti pour l'amusement. Alors, on est à côté d'un parc. Latimer Square, Saint-Alban. Ça roule à gauche. City Center, Hereford Road. Ça roule à gauche, mais d'accord. Ouais. On est au Royaume-Uni, je pense. On est où? Hereford Car Park. Je vais noter Hereford quand même. Hereford. Je sais pas si tu es là, Julien, mais... Bedford Terraces. Ah non, c'est Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, bien sûr. Ça a l'air d'être bien au sud, hein, là où on est, hein, ceci dit. Bien au sud. Mais grosse ville. C'est Christchurch. Non, je suis pas sûr. Bon. Ok. Okay. Manchester Street, non. C'est des rues. Putain, mais je suis où, là? Collier. Jacob. Non. New Brighton. Est-ce que le thème, ce serait pas des villes avec des noms anglais? Mais qui se trouve dans des pays qui ne seront pas le Royaume-Uni. Queenstown, peut-être que c'est ça. Non, j'en sais rien. J'ai l'impression que je suis pas loin de la mer, hein. Donc c'est la mer là-bas. Putain, mais je sais pas la ville. Ça me rend fou. 5 mètres. Bedford Apartment? J'ai aucune idée d'où c'est Bedford Apartment. New Plymouth. Je trouve pas la ville en fait. C'est fou, normalement ça devrait être indiqué partout, sinon j'ai mal lu. Hein. Sinon j'ai dû le voir 1000 fois et je ne le trouve pas.
Non, je sais pas la ville. Je vais revenir au point de départ. Saint-Alban. Rire de droite. Attends. Ah. City Center. Mais City Center de quoi? Je le préécris le texte. Rire de droite. Ah, attention micro. City Center. T'as le droit qu'à un try, je crois. Oui. Mais c'est quoi cette ville? Il y a juste écrit des noms de rues et de quartiers. Mais la ville, c'est quoi? Ouais, 5 mètres. Je n'ai pas la ville, hein, je tiens à le dire. Moi non plus. Je ne sais pas dans quelle ville on est. Je l'ai pas du tout. Rendez-vous hôtel. Cathedral Junction. Je ne sais pas la ville. Je ne sais pas. Aotearoa. Bon, aucune idée. Christchurch, putain, merci. Au secours, hein. Ouais, mais sauf que j'ai plus le temps, quoi, maintenant. J'ai plus le temps, le City Center est à mon nord, plus ou moins. Ouais, j'ai plus le temps pour la ville, là. Latimer Square. Et City Center. Latimer Square. Ouais, enfin, je crois pas. 15 secondes. Je vois pas le Latimer Square. Là. Et c'est bon, je l'ai. 14 mètres. Latimer Square. 96 km. Oh, 3,7 km. 9 km. 637 mètres. Mais j'avais pas la ville. Hein. C'est un pif total. Comment vous avez eu la ville? Vraiment sur le tard, j'ai vu qu'il y avait écrit Christchurch sur un truc. Je l'ai pas vraiment eu, mais Christchurch, National Cathedral, RF Fort Street. Pareil, exactement le même. Alors je sais pas où tu l'as vu, mais est-ce que c'était en haut à droite, en haut à gauche du point que t'as vu cette affiche? Non, non. C'était en haut à gauche. Et après, du coup, en zoomant sur Christchurch, j'ai vu qu'il y avait des quartiers qui correspondaient. Tout à fait. Bon, bah, alors, je sais pas comment t'as pu trouver un thème, mais j'ai un peu du mal à voir. Moi, ouais, j'ai une idée. Bah, j'ai une petite idée vite fait, une mais. Idée, mais je sais pas, ce serait sûr. C'est un peu trop tôt. Hein. Moi, merci Interline pour les 5 mois de sub. Elitcha pour les 11 mois. Connaissant. Je sais pas, je connais pas Agnac. C'est pas bon. Je sais pas. Est-ce que tout le monde est prêt pour la suite? Je suis prêt. Oui. 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 Ouais. Ça sera oui, gueuse oui, de faire le décompte. Je tape un truc pour l'instant, mais ouais, c'est vrai. Attendez. Si tout le monde est prêt dans ce cas-là. Ah oui, ah non, vous n'avez pas encore envoyé vos réponses, ok, d'accord. Non, 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 non. Ah okay. Oui, non. 3, 2, 1, c'est parti. Go. Il y avait des noms britanniques, hein, quand même. C'est quoi ça? Glenville Road, Churchville. Church, église. Moi, je vais préchoter un truc. Attends, je l'envoie pas. Church. Église. Churchville. Christ Church. Churchville. Bah, ça doit être ça. J'hésite. Oh, vas-y, je le note. Vas-y, je l'ai envoyé. Church, église. Maryland, 155. Le Maryland est ici. La 155 du Maryland. Jusqu'où va le Maryland? C'est jusque là aussi, c'est encore le Maryland? Ouais. Non, c'est la Virginie. Maryland. J'ai mal à voir où s'arrête le Maryland. Là. Où est la 155 du Maryland? East? Non, mais c'est East 155. Ça veut pas dire qu'on est à l'est du Maryland.
Super. Je suis encore dans le Maryland là ? Oui, le Maryland va jusque là, d'accord. Oui, c'est beaucoup plus petit. 2 mètres. Allez. Je la trouve pas, la 155, ça me rend fou. Ah non, non. C'est peut-être pas assez zoomé. Glenville Road. Je vois pas la 155 du Maryland. J'ai l'impression que les 100 et quelques sont un peu plus dans le nord. Et encore, non, ça change tout le temps. Je suis encore dans le Maryland. Ça, c'est vraiment l'enfer, hein, pour... Mais le Maryland va aussi, là ? Mais au secours. J'ai envie de crever, les amis. Oh là là, quel enfer! Ah. 24. Oh là là, c'est horrible. Vraiment, je n'arrive pas à le trouver. 155. Du coup, je suis en train de full chercher sur la carte, c'est horrible. Elle n'existe pas. ...130, 140... ...122, 144... Oh là là, 162... Je vois même pas une 150. 150 là. 152. Ah ah. 156, 155. Putain, merci. Churchville. Rire de droite. Ok, merci. Glenville Road. Là. Putain, pitié, hein. Sauf que ça correspond pas. Glenville Road est à mon sud. Là. 2 mètres. 3 mètres. Chiant comme la mort. Vous êtes trop fort. Merci Lulubok pour le sub-offre à la communauté. Alex Leno pour les 100 bits. Merci beaucoup. Merci à Smash pour le Prime. Ok, bon bah je pense que c'est church et on va se retrouver avec des trucs d'église dans tous les sens. Enfin... Après si je fais full 5000... Ah, 800 genre... bornes pour moi. Ouais, 860 pour moi. 2109 km, je sais pas comment vous avez trouvé. 624. Alors, vraiment, vraiment au point de départ, il y avait écrit qu'on était dans le Maryland, hein. Vraiment un clic du point de départ... Je savais pas ce que c'était, où c'était en fait, du coup je pouvais pas trouver... C'est un état américain. D'accord. Où ça au spawn, spawn. Non, pas au spawn, à un clic du spawn sur le panneau à l'arrière. Vous allez vers... vers l'est, le petit panneau blanc à droite, Maryland 155. Voilà. Le tout petit panneau blanc, vraiment, à droite du spawn. Ah oui, celui-là, ouais. Maryland 155. J'ai vu un carrefour plus loin aussi. Ah, Glenville, putain, ça y est, je l'ai, là. C'était compliqué, hein, sans avoir l'état. Ça, j'imagine, oui. Et puis, depuis quand ça parle... Un clic à l'est, je... Moi non plus, je vois pas non plus, monter. Ça parle anglais, mais ça parle japonais, ça parle français. Mais les gars, allez à l'est, il y a un petit panneau blanc sur le bord de la route, vraiment tout petit, à l'est. Il y avait du coréen sous le... Ah, c'était du coréen, pardon. East Maryland 155, Snow Emergency Road. Mais je le vois pas non plus. Toujours. Allez sur le point de départ et posez... Mais c'est pas possible. Deux clics à l'est. Deux clics à l'est. Oui, parce que c'est un clic quand tu... Ah, ça y est. Sur l'horizon, quoi.
Vraiment, il est juste là, quoi. Ouais, putain. Je sais pas. Bon, j'ai essayé de cliquer au buzzer et mon clic s'est pas enregistré. Ah. Du coup, bah, heureusement que j'avais prémis un guess, mais. Ouais, terrible. Peu importe. Ok, étoile et angle droit, rentre point. Pardon. Oh, Ultia, j'étais juste en train de digérer mon échec. Ça se passe ? Ultia s'en sort bien, ouais. Ultia, il est. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. 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 Oui, bah alors dans je vois qu'on est déjà assez nombreux à avoir déjà fait une proposition. C'est pour ça que j'ai lâché l'affaire d'en faire une pour l'instant. On est 4 pour l'instant, ouais, tout à fait. Ok. Eh bien, c'est parti dans 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Rire de droite. Les églises. Églises, bien sûr. Julio. B-U. B-U comme. Burgos, non ? Y'a pas une ville qui s'appelle comme ça ? Pas une ville qui s'appelle Burgos ou une région qui s'appelle Burgos ? Oui, Burgos. Ok. BUV 4041. BUV 4041. Alors. 4041, là. 4414 aussi. Ça devrait être pas loin. Iglesias. Salut. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon, je suis au point de départ, là. Ouais. Je suis genre là. 3 mètres. Merci Edgaf pour le Prime. Soroni pour les 9 mois, merci beaucoup. Quatre mètres. Je sais que je fais full 5000 aussi. Et c'est l'église. Après j'ai mis church, entre parenthèses, église. Voilà mon guess. J'espère qu'ils vont le compter. Après je pense qu'ils ont déjà trouvé les autres. Si je suis patate pour le sub, merci beaucoup. Doulidoulidou. Merci Clara Faye pour les 4 mois, merci beaucoup. Enfin, le thème c'est précisément, je pense que le thème c'est les noms de villes qui portent le mot église à l'intérieur. Mais j'ai pas écrit ça comme ça. Donc je pense que je vais me faire baiser. Après, si je continue à faire les 5000, c'est bien. De quoi ? 7 mètres. Ah, ok. Burgos. C'est long la région aussi ou pas d'ailleurs ? Non, c'est Castille et León. Castille et León. Well, okay then. Sinon, ça va ? Ça va ? Tranquille ou quoi ? Ça va, la petite communauté ? Tranquille ? On est à la cool. À la cool, les amis. À la cool. À la cool. Merci Dranzorius pour le sub. Merci beaucoup. Énorme. Ah mais putain, mais mes presets... putain, oui. Presets n'ont pas été rec. Faut que je la refasse pour Phoenix Wright. Au secours. Et vous êtes plus de 20 000. C'est la première fois sur GeoGuessr que nous dépassons les 20 000 personnes. Incroyable. Bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo à toutes et à tous. Et surtout bravo à moi, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Franchement, je mérite. Hein. Merci Bastien pour les 11 mois de sub.
Merci Dafo pour le prime. Merci Daima pour les 3 mois. Grazie mille. Grazie mille. Bah ça galère, j'ai l'impression, un petit peu là, à trouver Iglesias là. J'ai l'impression. Ah. C'est Hot Dog HP pour le prime. Dégringolada. 77 mètres. Mais je trouvais aucune ville. C'est Rignoc pour les 6 mois. Il faut absolument que j'aille chercher un truc à manger, je reviens. Vas-y, régale-toi. Aïe. Et oui, BU. Burgos. Yes. Burgos, bien sûr. Du coup, c'est basé plus sur les villes plutôt que les régions. Quand c'est des routes jaunes comme ça, oui. Ah, ok. D'accord. Et même dans le bleu aussi, enfin ça dépend. En fait, c'est souvent soit les régions, soit les villes. D'accord. Soit les régions, soit les villes. Et là, vu qu'on était vraiment pas très loin de Burgos, c'était des BU, quoi. Ok. Sinon, je crois qu'ici, c'est des CL, Castille et León, mais je les vois pas sur la carte, ouais. Donc... Je vois pas non plus, ouais. Mais ouais, c'est, okay. c'est très souvent la grande ville du coin qui donne l'indicatif de la rue, de la route. Okay. Ça arrive souvent. Donc BU, je me suis dit, ça devait être Burgos, et c'était le cas, effectivement. Et pour, les plaques d'immatriculation, d'ailleurs, c'est le système qui marche dans la plupart des pays d'Europe. Ah, mais on les voit pas sur Geogestor. En Italie, c'est ça. Merci Anivas pour les 14 mois de sub. Nico Bay pour le prime. C'est comme ça. Lexeno pour les 100 bits. Semblaze pour les 13 mois, merci beaucoup. Oumanie aussi, je crois. Mais ouais, si vous faites gaffe, par exemple, si je vais vers Bilbao, t'as des routes qui commencent par BI quelque chose, tu vois. Ah, c'est, ok. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est V, S, E... Zaragoza. C'est pas le cas. Ah si, c'est Z. Du coup, j'ai fait tout au numéro de Z, route, ouais. Et tout, c'était long. Ah ouais, là, tu pouvais rien faire, hein, si t'avais pas... si t'étais pas à côté de la grande ville en question, Bah maintenant que tu connais cette astuce, tu peux le savoir. En Espagne, vraiment, les numéros de route sont très reconnaissables pour ça, en fait. C'est souvent des... 2 lettres plus un nombre qui se compte en milliers souvent. C'est souvent comme ça. Ok, je suis revenue. Heureux Florence. Est-ce que ça va aller Florence? Heureux Florence. Ça va aller Florence? Ouais, j'ai eu un coup de faim là, mais genre énorme. Voilà. Régale-toi. Très bien. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite, messieurs, dames? Oui. Ta vie mystérieuse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, Gus, vas-y. Eh bien, nous sommes partis dans 3, 2, 1. C'est parti. Quel rapport avec l'église? Ah ça doit vouloir dire... Kerk, ça doit vouloir dire église, je pense, en néerlandais. Westkapelle, la chapelle de... Ouais, Kerk, ça veut dire église, je pense. Attends, on est en Belgique ou aux Pays-Bas? Bon, je pense qu'on est aux Pays-Bas. Ouais, il y a des vélos. Il y a des vélos. C'est fou, hein. C'est fou comme c'est vrai, hein. C'est fou comme c'est vrai, cette histoire de vélo aux Pays-Bas. C'est un cliché, mais qui est absolument vrai. Meliskerk. Je pense que je suis à Meliskerk. Ah, petit problème, encore une fois, de déconnexion, de... Disque dur. Je sais pas par contre où est Meliskerk. Pardon. Oh putain. Steve. Vilsingen. Je pense être Meliskerk. Ah non. Bigekerk. Mais c'est dans la commune de... Ver. Big Kerk, grosse église. Veir. Veire, je le vois. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, hein, bien sûr. Veire. Normalement, c'est dans la commune de Veire. Ça doit être visible de loin. Ouais, mais non, ce n'est pas le cas. J'aimerais bien faire le 5000, parce que je pense qu'ils ont trouvé les réponses avant moi.
Et je pense que je suis pas assez précis aussi dans ce que je fais. Dans la réponse que j'ai donnée. J'ai mis église, church. Westcapel. Connu ça d'Homburg, Westcapel. Non, c'est pas connu, non. Middleburg. Je suis sur quelle route? Pitié. Biggekerk, ouais. Mais encore. Oui. Mais encore. Ah. N288. Et N200 sont où? Là. 248, 240. Là, on arrive dans les 300. 217, 261, 279. 280. 299. C'est quoi? N288, elle est où? 282. Au secours. Je la vois pas, la N288. 298. 278, non. 278. Pitié, monsieur. Pourrais-je avoir la 288? 184. Putain, merde, elle est où cette connasse? 285. 285. 268. Oh là là, 286. 2 mètres. Ah, je la trouve pas. Allez là, putain. Westcapel. Merde, c'était quoi le nom de ma ville? Vite, 47 secondes. Biggerke, ici. Là. Retour au point de départ, vite. C'est quoi? Kerry, mes couilles. Kirkplain. C'est ça? Kirkplain, c'est ça. Bah ouais, je suis sur la petite place de l'église et je suis là où j'ai mis mon point, guess. 2 mètres. J'aurais peut-être pas besoin, même limite, de trouver le thème, hein, ouais. On va voir. Merci Alex Nemlo pour S&Bits. Zierb pour le Prime. Merci beaucoup. Enfin, 288, j'ai galéré à la trouver celle-là. Terrible. Mètres. 7,6 km. C'est la binouche pour le prime, merci beaucoup. 142 km. Oh, il y a 245 km. 154 km. Alors, je reviens de loin parce que je m'étais mis en Autriche au début. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui. D'Hambourg. 126 km. Comment vous avez fait? Tout le monde a fini? Florence, t'as fini? Oui, j'ai fait 5000 même d'ailleurs. Pardon. J'ai bravo. Eu la 288. C'est ça, route 288. Ouais. J'ai mis ultra longtemps à la trouver. À gauche, moi j'ai mis. Chercher quoi. J'ai mis longtemps à la chercher, je l'ai trouvé vraiment un peu à la toute fin la 288. Ah, j'ai galéré à la trouver. Bravo. Bravo à tous. C'est le joueur Battle Royale qui a parlé, j'ai eu 20 secondes pour guess. Aïe 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 aïe. Ok, est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, dernier round, dernier round de la map mystère. Oui, oui, oui. Eh bien, 3, 2, 1, nous sommes partis. Alors, c'est quoi ça? C'est ville avec le nom église dedans? Où on est juste à côté d'une église de toute façon. Place de l'église. D'accord. Franchement. Colombey les deux églises. Mais on est à Colombey les deux églises? C'est grave possible. Charles de Gaulle, la Haute-Marne, bien sûr. Ah oui, complètement. On est à Colombey. Chaumont. Et Colombey, les deux églises. Là. La 23, tout à fait. Et bah du coup, je pense que je suis sur la place de l'église, qui est juste là. Ouais, je suis là. J'ai des vignes, là. Bien ça. C'est indiqué, super. Si. Oui, c'est ça. Salut à tous. J'aurais même pas besoin, je pense, de faire le truc, quoi. On
On est juste à côté du cimetière en plus. 7 mètres. Et c'est le 25 000, sans avoir besoin, même si je le trouve ou pas, peu importe, ça ne changera rien pour moi, les amis. C'est 25 000 puntos. Ce que va faire Justin aussi, probablement, je pense. Pam, pam. Le thème, je pense, c'est les villes qui a le mot, qui possède le mot église. Qu'est-ce qu'il y a, Julien ? Je peux regarder vos propales en attendant, sachant que j'ai déjà proposé ou pas ? Oui, je vais regarder les vôtres aussi, tiens. Alors, Guez a proposé église en premier. Justin a dit des villes avec church dedans. C'est pas exactement ça, je pense. Moi, j'ai mis church entre parenthèses église. Et toi, l'ami église. Monté a mis église. Ulti a mis église. 8 mètres. JD. Ami, traduction de la maison de Dieu. Ouais. Et Florence a mis en rapport avec une église. Merci Alex Feno pour les 100 bits. Ta réponse me fait un peu rire, j'ai l'idée. T'as dit quoi, Antoine ? Et ta réponse me fait un peu rire, j'ai l'idée. Désolé. Ah non, mais ne t'excuse pas, c'est rigolo, c'est tout. Rire de droite. 9 mètres. Merci Willy et pas ce putain d'orque pour le sub. Merci beaucoup. Ah, dans tous les cas, pour Justin et moi, ça sera le 25 000 dans tous les cas. Putain, il me talonne tellement. Tout va se jouer vraiment sur la dernière map. Hein. Ça va être terrible. Attendez, je vais préparer mon dé virtuel, ce sera à moi de le tirer, je pense. Tac. Ouais, bon. I got it, baby. Ça va sinon ? Toujours en hématolie à ce que je vois. Ainsi, c'est Bonne Fletcher pour le Prime. Je préfère avant qu'on ait vraiment la soluce. Même si là, je pourrais dans tous les cas pas modifier ma déposition. Bien sûr. Merci Sirt pour les 2 mois de sub. Street, pardon. Street. Mais ça va bien, je suis tout né. Les VIP peuvent parler. Et les modérateurs. C'est tout. Désolé. Désolé, la plèbe. Sorry. 8,6 km. Ah, bien sûr. 139 mètres. 7 mètres. Tout le monde a fini ? Tout le monde a fini ? Donc je pense que j'ai vu les réponses, tout le monde a plus ou moins donné la même réponse. Il vient de se passer un truc de ouf. Bah après, je sais pas, c'est peut-être nul, mais... Je suis arrivé sur la map et j'ai fait non, mais c'est sûr, c'est Colombé, les deux églises. Ah oui, bien sûr. Oui, bah pareil. Hein. Moi j'ai regardé à Cours-l'Évêque avant quand j'ai vu qu'on était en Haute-Marne aussi.
Merci pour les 100 bits de psychose. Comme Poca pour le Prime, merci beaucoup. Alors, mais, Colombais, non, mais j'ai pas vu en gros qu'on était en Haute-Marne. Enfin, tu sais, je suis arrivé sur et la oui, map. C'est là, Haute-Marne. J'ai vu l'église et j'ai fait, vu le thème, c'est Colombais les deux églises, je pense. Enfin, oui, c'est ça. Qui était rigolo, du ah oui, d'accord. Alors, c'est vraiment dans la seconde, quoi. Moi, par exemple, je pense que Justin, ta réponse n'est pas bonne. Des villes avec church dedans, pour moi, ouais, c'est non, pas non, bon. Je me suis précipité, ouais. Et moi aussi, j'ai mis church entre parenthèses église. Alors, on va regarder la réponse de Julien. Est-ce que c'est pluriel? Moi, j'ai mis au pluriel. C'est singulier. Je sais pas si Julien, tu peux nous rejoindre en vocal ou pas du tout. Ah, il avait la flemme, très bien. On va regarder sa réponse dans Map Mystère. Réponse Charles de Gaulle, évidemment. La réponse Map Mystère. Non, moi la réponse dans Map Mystère est Église. Antoine, t'as bugué. T'as bugué. C'est Église. C'est Église, c'est Gus qui a gagné. C'est Gus qui a gagné. Bravo, Gus. Tu peux changer un de tes points pour un 5000. Tu peux remplacer un 5000 de ton choix. Essaye de voir aussi avec les combos ce que tu peux faire. Ah, non, mais ça va, tu veux pas lui donner aussi le. Ah, mais. Pour calculer. C'est, alors, c'est n'importe quel de cette manche ou de tout GeoGuessr? Non, de cette manche. De cette manche. Ah, de cette manche. Oh, ouais. Triste. Manche. Parce que j'avais un 11 qui traînait, je t'avoue. Que... Ah, et non. Les yeux qui brillaient. En vrai, c'était Église. Le quatrième est ultra opti à remplacer. Il y a écrit si quelqu'un se plaint que le thème de la map avantage est monté, je retire 100 points à Gryffondor. On ne s'est pas plaint, mon cher Julien. Ah, on est, enfin, surtout, tout le monde avait déjà donné son oui, bien sûr. Mais peut-être parce que je pense que les points tombent aléatoirement si on était tombé à Colombais les deux églises en premier. Ouais, voilà. En fait, moi je voulais proposer ça dès le tout début, mais je me suis dit que c'était beaucoup trop simple. Soirée. La même chose. Et oui, je me suis fait même. Il a mal écrit soirée. Les gens, il a absolument fait exprès. Et, pareil, et du ouais. coup, je me suis dit peut-être qu'on va se faire corrompre sur singulier au pluriel quand on est tombé à Iglesias. C'est si Firoc pour le Prime. Mandam 78 pour les 4 mois. The Josh pour le Prime. Aruta pour les 6 mois. Allez, je vais mettre au pluriel, on voit si ça. J'avoue que moi j'ai trouvé Église aussi, comme tout le monde, mais j'ai rien mis parce que tout le monde l'avait déjà mis. Enfin, c'était évident quoi. Ouais, c'était évident. Moi j'ai tenté autre chose. Moi, je pensais qu'il allait avoir un truc plus compliqué que ça. Du coup, je vais vous laisser dire église et moi je vais préciser. Moi, je pensais que le thème, je pensais même que le thème c'était précisément les villes qui comportent le nom église, le mot église dedans en fait. Ouais. Ah oui, ok. Et je pensais au début que c'était Zelda du coup parce que c'était une église en forme de triangle. Oui, pareil. Ah oui. Je me suis dit ça va être peut-être juste les trucs triangulaires, genre avec une pyramide ou des trucs comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'au début, le premier truc, il y avait une église triangulaire effectivement. J'y ai pensé aussi. Eh ben, on va passer sur le dernier challenge. Je vais tirer le dé. Malus. Alors, il faut que tu nous tires un dé entre 1 et 3, puis un dé entre 1 et 6. Je te propose que 1 et 2, c'est France, 3 et 4, c'est Europe, et 5 et 6, c'est Monde. 1 et 2, France, 3 et 4, Europe, 5 et 6, Monde. Fais un ou deux, s'il te plaît. Et ce sera 3, c'est Europe. Le pire. Nous allons désormais déterminer le malus. Je vais rappeler rapidement les petits malus. Si on tombe sur 1, ce sera partir un jour, pas le droit de cliquer sur le drapeau. Si on tombe sur 2, ce sera speedrun. Si on tombe sur 3, ce sera don't zoom. Si c'est 4, c'est la chasse aux points. 5, à la va-vite. Et 6, à la carte. La personne qui a le moins de points choisit un malus entre les 5 premiers. Let's go. Et ce sera 4. 4, la chasse aux points. On l'a fait la dernière fois. Encore la chasse au point. Et on l'a fait la dernière fois, c'est-à-dire que c'est pas timé, on gère nous-mêmes notre temps pendant un petit... je sais pas quel temps on prend. Oui, d'ailleurs, oui, bah 20... quoi, 20, 18 minutes, quelque chose comme ça 20, c'est peut-être trop. 20, c'est 18. Ouais, 18, c'est bien. 18 minutes. C'est assez, 18 pour l'Europe. Bah, c'est un malus, après, Florence. On est tous dans la merde. C'est... Bah, 20, ça fait déjà un malus, en vrai. Non. Non, 18, bah, ça fait 18 4, en vrai, t'es pas... Par an, non, ouais, 18. 3,30. Non, mais vous avantagez juste monter, moi je dis ça... Allez, on part sur 19. Allez, on part sur 19. 19 Ok. 19, on coupe la... C'est très précis. Pour le prime Crestock pour les 7 mois. Merci beaucoup. Non, mais si vous voulez faire 18, c'est pas grave. Hein. Moi, 18, ça m'a l'air. Du coup, ça fait... Zoom back. On lance à quelle heure d'abord? 3 minutes. J'ai la ref maintenant, pardon. Nicolas, je vais écouter la musique. Zumba Café ou tout ça. Bien sûr. Allez, non, j'ai mise à jour, donc... Moi, je réponds qu'on fasse quand même 18 minutes, hein, c'est plus simple que 19, en vrai. Oui, ah, bah oui, c'est beaucoup plus simple. Bah, je propose que si tout le monde est prêt, qu'on parte directement à 14, en fait. Ok, pour 14, si tout le monde est prêt, en moins de 15 secondes. Il y a deux gens sur mieux. Ça fait combien? Ah bah non, alors. Ok, non, bah on les attend, alors. Si j'arrive. Non, on va commencer. Excusez-moi, c'est... Non, il manque étoile. T'as dit quoi, Ultia? Ça fait combien, du coup, de temps par round, alors? Ah bah, c'est à toi de gérer. C'est à toi de gérer. À toi de gérer. Non, mais hypothétiquement.
Alors, si on fait 19 minutes, c'est ça ta question? Non, ce sera 18. C'est 18. C'est 18. J'ai 18. 18. Ah bon, on fait vraiment... Tu veux vraiment faire 18, c'est vrai? Bah oui, 18, okay, oui. Okay, oui, okay. 18. Bah, moi, Florence, elle trouvait que ça faisait peu. J'étais... voilà, j'essayais d'arriver. Non, mais pas 18 minutes. 18 minutes, 18 minutes. Donc, 18 divisé... Ça fait 3 minutes et 45 secondes à peu près. Voilà. Ok. À peu près, quoi. 3-4 minutes par... L'ex-prof de maths qui ressort. Du coup, on commencera à 15, les amis, et nous terminerons, évidemment, à... je suis nul à chier, bien sûr, à 33, je crois. 33. 33, ok. Moi, je termine à 33. Ok, donc on termine à 33. Ok, d'accord. Ça marche. Mais Étoile, t'es là ou pas? Ouais. Non. Parce que t'étais mute et du coup, je sais pas trop. Ouais, t'inquiète. Du coup, on commence à... On commence à 15. Ah, ok, ça a pas commencé. Okay. 2, on commence à 15. 1, maintenant. Parti, on termine à 37. 33. Ok. Bon, allez. Strezimirovce, Bosilegrad, Knatrava. Alors, ça fait des noms un peu genre croates. Mais pas besoin de l'hémotonie là pour le coup. Hein. Ah non, c'est du cyrillique, donc ça ne sera probablement pas du croate. Peut-être Bosnie. Attends, quoi? Bosegrad, c'est ça le nom? Bosilegrad. Et c'est la DER. Bosilegrad. Bosilegrad. Je vois ça quelque part. Non. Moi, je reconnais pas les panneaux. C'est souvent des panneaux jaunes dans ces pays-là. Attends. C'est quoi ce lac-là? Je connais pas les drapeaux. Ah. On dirait le drapeau slovène un peu. Mais pourquoi il y aurait du cyrillique? Ça n'a pas de sens. Obstina Surdulica. C'est quoi ce putain de lac là? C'est un petit lac ou un gros lac? Oh putain, c'est quoi? C'est quoi ce lac de mort? C'est pas ça. Bon, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Là, c'était un panneau jaune, mais souvent, ils sont... Oh là là, celui-là, je vais pas l'avoir. Faut terminer à 33. Hein. Ah, j'aimerais bien l'avoir, quand même. En fait, au moins avoir le pays. Au moins avoir le putain de pays de ses morts. Un peu Macédoine, Bosnie, Monténégro, tout ça. Bah voilà mon lac, hein. Voilà mon putain de lac, quoi. Il est là, mon lac, hein, mais je sais pas le pays, en fait. Je ne sais pas du tout. Bulgarie, m'étonne. Quoi, la ville en question? Bosilegrad. Elle était indiquée à... Ouais, la Bulgarie, mais c'est plus de Bulgarie. Knastrava, Primorovice. Au secours. Non. Je vais revenir au point de départ vite fait. Je vais aller dans ce sens-là pour voir. Oh là là. Il faut que j'enchaîne en plus. En fait, le truc, c'est que je pourrais guess maintenant, mais le problème, c'est que je sais même pas le pays. Je ne sais même pas le pays dans lequel je suis. Donc, c'est assez terrible. Je perds du temps de ouf en plus. Il me reste 14 minutes.
Là, c'est la mort, ce point, complètement. Non, je sais pas où on est. Après, j'avais l'impression de voir le drapeau slovène, mais... Ou slovaque, mais pourquoi ça serait écrit en cyrillique, en fait? Attends, Mitchell of Chess, c'est pas ce truc que j'ai noté? Non. Attends. Inakovce, c'est pas ça? J'ai l'impression qu'on est dans ce coin. Il y a peut-être, c'est peut-être écrit en cyrillique si on est pas loin de la frontière avec l'Ukraine. Oh, je sais pas, au secours. Novak Elfa. Non, j'ai aucune info. Non, je ne sais pas. Il est où mon... Il n'y a pas un lac Là, il y a des lacs, mais ça y ressemble pas. Non, franchement, je sais pas. Oh là là, putain. Et du coup, je vais pas avoir bon, quoi. Parce que je sais pas le pays. Ah, ça dégoûte, hein. J'ai pas le pays. Là, c'est full écrit cyrillique, quoi. Il y a ça. Une sorte de lac, là, mais je sais pas ce que c'est, quoi. Je le vois pas. Faire un temps fou, là. Le problème, c'est que là, je vais choke de ouf, en fait. Ça va être un méga, méga choke, hein. Et je sais pas où on est. Bon, bah, écoute... Je ne comprends pas. On dirait le drapeau slovène ou slovaque, mais... Bon bah salut hein, guess. Ouf, 80 km ça va. Putain, juste 5 a fait le 4299. Putain, bon, allez vite. C'est quoi ça? C'est la... Roumanie? Turquie européenne? Roumanie, Turquie européenne? Bulgarie peut-être? Plus l'architecture. J'ai pas des mots? Non. On va prendre les drapeaux non, mais je crois que ça n'avait aucun rapport avec le drapeau que j'ai vu là, avec là où j'étais. Clostic Marina. Marina. C'est quoi? C'est Roumanie ça, je crois. Je pense qu'on est en Roumanie, mais je sais pas où. Ah, c'était le drapeau serbe, ok. Ultra dur, hein. C'est ce round-là qui va me faire perdre, vraiment. Dommage, j'avais une avance, mais là, j'ai pas le niveau pour ça. C'est trop dur, là. Je ne connais pas la langue. C'est du cyrillique, d'un coup, là. Putain, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ça fait quand même roumain. Ça fait quand même roumain de ouf. Hein. Grosse ville là-bas. University of Belgrade. Ok. Belgrade donc. Mais Belgrade... Putain, mais on est en banlieue de Belgrade. Mais alors, pour trouver mon point ici, laisse tomber. Là, pour le coup, je vais faire mon guess. Bon, allez, je vais faire mon guess, tant pis. Je vais me mettre par ici. Ah, Justin fait mieux que moi. Guess suivant. Royaume-Uni ou Irlande? Il est 23, dans 10 minutes c'est fini. Ultra dur, hein. Royaume-Uni ou Irlande, Écosse peut-être.
Come on. Donne-moi quelque chose. Non, j'ai rien. Là, j'ai un pont. Attends, ça dit quoi? Cat Lowell, Scarecrow, c'est épouvantail. Welcome. Bluebell Inn. J'ai mis mon score, bravo à tous, il y a des problèmes. Bon courage pour la fin. Ok. Des bisous Étoile, salut. Ah bah du coup il n'y aura pas de Battle Royale avec Étoile du coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais Étoile, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait le Change Your Guessor, il a un problème. À la fin, je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que sur les autres streams, il a ça, mais sur le Change Your Guessor, je crois j'ai l'impression qu'il a un problème. Ça lui porte malheur, hein, j'ai l'impression. Putain, mais c'est chiant, j'ai aucune idée d'où on est. Ça fait très écossais, quoi. À quelle heure il est? 25. Je peux encore me permettre de prendre un tout petit peu de temps. Starbutton. Ouais, non, je sais pas. J'ai aucune direction. Merci 2S54 pour le prime. Ah ouais, non, là, j'ai aucune information. Je suis vraiment sur des routes à la con. Je suis revenu au point de départ à partir dans l'autre sens. Je suis sur une rivière. Lytton Arncliffe. Lytton et Arncliffe. Attends, est-ce que j'ai eu peur, ça? Arncliffe. Cliff, ça veut dire... J'ai oublié ce que ça veut dire, mais c'est le truc au bord de la mer, quoi. Le mot me revient pas. Falaise. Clifton et Arncliffe. Pourquoi ça serait pas écrit en écossais? J'en ai aucune idée, je ne sais pas où on est. Au secours, hein, ce point. Tous les points, là, ils sont tous horribles. Non, je sais pas, je mets trop pif. Je sais pas. Ouais. Là, je peux encore me permettre un peu de tenter un peu, de chercher un tout petit peu. Yorkshire. Je sais pas où est le Yorkshire. En Angleterre, par contre. Mais je sais pas où c'est. Non, je sais pas où c'est. Et j'ai oublié, j'ai pas noté les trucs comme un connard. Conistow... Attends. Hey, Garth. Vu. Incroyable. Attends. Kettlewell. Et c'est à mon nord. Kettlewell ici. Je viens de Kettlewell, je pense. Ce pont, là. Ici. 3 km 1. Oh, il a fait pareil que moi, quasiment juste ça, mais j'ai fait un tout petit peu mieux que lui. Au secours. Ah, dommage. Ok. Stenbacken. Vite, faut que je me dépêche. Stenbacken. Un nom comme ça dans cette... Pour la droite. La gueule du truc. Stenbacken. C'est quoi? C'est suédois? C'est... Stenbacken. C'est la mer là-bas? Bof. Ça va, je fais pas des scores catastrophiques. Il me reste 5 minutes. Faut que je mette mon point. Je sais pas où. Oh, putain, mais les points de se rendre là en Europe sont abominables, je trouve.
C'est trop dur. Il n'y a aucune info pendant 1000 ans. Oh là là. Bon, je vais revenir dans l'autre sens et partir dans l'autre sens. Point de départ. T'as des grosses montagnes, mais bon, là-bas... Aucune information ici, hein. Ouais, bah je vais mettre mon point au pif sur celui-là. Mais le problème, c'est que Justin, lui, il va pas le faire. Il va pas mettre son point au pif, lui. Il va l'avoir, lui. Oh non, il y a rien. Il y a vraiment aucune information. Ah, je vois pas du tout ce que ça peut être. Un gros lac. Ah, je sais pas. Stenbacken. Il est 30, il me reste 3 minutes. Et je suis au 4ème round. Non, mais je vais me mettre au pif, hein, j'ai aucune info. Je suis même pas sûr du pays. J'ai mis Suède, mais vraiment, ça va être une cata là, celui-là. Bon, allez. Ça dégage, hein. Ouais, ça va dégager. Allez, guess. Oh putain, il était là. Oh, j'aurais pu l'avoir de ouf. Il a fait le 5000, ce bâtard. Oh, il a fait le 5000. Bon, allez. Oh putain, il a... Oh non. Oh non, 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 non. Tous les points étaient horribles. J'ai trouvé tous les points horribles. J'ai trouvé tous les points horribles. Bon. Faut que je mette mon point dans tous les cas. Je sais pas où je vais me foutre. Probablement Bulgarie, je pense. Probablement Bulgarie. Oh, oh. Toi. Oh non, c'est russe, ça. Oh non, c'est russe. Ou pas. Attends. Cocked Foma. Il avait parlé de la voiture rouge. Parce que je la vois pas rouge, la voiture. Ça fait combien de temps? 2 minutes. Thomas est pas nouveau, machin truc. Baobo. Enfin, c'est nouveau, quoi, mais... Ça n'est plus qu'une minute. Là. Pas nouveau. C'est à mon sud, plus ou moins. Oh là là. Kostroma. Vu. Je suis encore au nord de ça. Oui, mais je sais pas où. Rolnenko, mes couilles, là. Oh non. C'est à 33 bientôt. Non, je l'ai pas. Rameka. Non. Combien de temps? 7 secondes. Bon bah allez. Hein. 131 km. C'est fini. C'est fini les amis, on pose les stylos, on pose les stylos, on fait son dernier guess, c'est terminé. Tout à fait. Je tiens à dire. Ah oui, c'était horrible. Ouais, c'est horrible. Sur mon premier round, je savais dès la première seconde qu'on était en Serbie, mais j'ai passé 5 minutes à chercher quand même en Bosnie-Herzégovine, sait-on jamais. Qui n'est pas Street View, on le rappelle. Hein. Évidemment, non mais je savais que j'en étais en Serbie, hein, c'est ça le pire. Et puis j'ai fait tout un laïus à mon chat pour dire que Krona, ça voulait dire la montagne en serbe, etc. Blablabla. Justin, score 1, il a fait 2 5000 et 1 4999, Justin. Oh, je suis voilà. En stress. J'ai fait 2 5000 et pas de, effectivement. C'est clair, surtout quand j'ai son temps, je trouve ça très... Ouais, je pense que les 20 minutes, ça allait, hein, ça aurait pu le faire, hein, d'avoir 2 minutes de plus, ça m'aurait pas dérangé. Je mets mes scores. Vous voulez une bonne blague? À un moment, j'ai cru, en début de challenge, que ça se terminait à 23, alors je peux vous dire que j'étais vraiment sous pression. 23 au lieu de 33. Donc j'ai commencé. Ah oui. Ouais, non, mais. 5000 là en Russie, franchement, 30 secondes de plus et je l'avais. Ouais, moi tu me donnais en vrai une seconde de plus sur chaque round, c'était easy. Hein. Rire de droite. Lol.
Moi, tu me donnes 8 heures en plus, c'est Justin qui gagne, Justin qui gagne, Justin qui gagne, Justin qui gagne. Bah, Justin, tu gagnes. Attends, ça peut-être. Ah non, c'est fini, c'est fini. Il a fait un meilleur score que moi, c'est obligatoirement fini. Attends, il y a des gens qui rentrent leur point encore. Ah, mais c'est sûr. J'étais focus comme Jaja. C'est c'était trop. Mais comment ça incroyable. Pas rentré tes derniers points, voilà. Étoile a pas mis ses points, il a pas fait Enter. Mais si, on peut le voir, on peut le voir à la fin. Je peux les mettre si vous voulez. 2800. Ah oui, ok. Ah oui, on les voit. Mais oui, vous pouvez voir. Calmez-vous, calmez-vous. Soyez zen, soyez zen. 1013, c'est ça. Voilà, 1013, c'était celui qui manquait. Justin gagne, hein, largement, largement. Oui. Largement, largement, il a gagné. Elle était horrible cette map, j'ai trouvé. Elle était horrible, merci. Tout était affreux. J'étais en dépression totale, en mode... Tout était affreux. Merde. Non, c'est... Ça va, en fait. Ah, tout était affreux. Étoile est parti. Oui, Étoile est parti. Oui, il a dit qu'il était parti. Hein. Mais j'ai remarqué, Étoile, à chaque fois qu'on fait le challenge, il se sent pas bien au bout d'un moment, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression qu'il y a le challenge. Ça c'est terrible pour lui. Bravo Justin pour la victoire. Bravo. Justin. Le style en Russie quand même, il est... J'avais à peu près 7 minutes sur le point parce que j'avais un peu rushé ceux d'avant. Ouais. Du coup, ouais, ça se voit en termes de score, ouais, c'est pas terrible effectivement. C'est vrai que t'as rushé, ouais. Ouais, c'est un peu brouillon, j'oserais dire. GG pour ta deuxième place, Antoine. Merci beaucoup. Du coup, ouais, je suis deuxième, troisième, c'est monté. Quatrième, il s'agit de Mister JD, cinquième, Florence. Sixième, c'est Guz. Septième, c'est Ultia. Huitième, c'est Étoile. Et neuvième, c'est Ponce. Bravo à toutes et à tous. Et bah, si je peux me permettre, je suis très très contente de ce challenge parce que je me suis trouvé bien sur les trois premières maps. Très bien, très bien. C'était le déclin. Bon, mon objectif, c'était top 10. C'est rempli. Je suis fier. Bravo. Bravo, Ponce. GG, mec, c'était pas évident. Bravo, on était en Russie au dernier round parce qu'il y a des chiffres dans les mots, c'est ça? Alors moi, je sais pas. C'est une lettre majuscule. Merci Raptor Scanfly pour les 4 mois de sub. Odin GG pour les 3 mois. Pink Lasagna pour les 4 mois. Et au revoir la VOD. VOD de 1h46. Au revoir.